C'est ton entourage. N'allez pas de gauche à droite. Celui qui te combat n'est pas loin de toi. Celui qui te combat est à côté de toi. Celui que tu appelles mon copain ou ma copine, ma copa. N'allez pas chercher loin. La personne qui est derrière ta souffrance, c'est ton frère, c'est ta sœur biologique, c'est ta mère biologique, c'est ton père biologique, c'est ton fils biologique. Vous savez, lorsqu'on veut détruire quelqu'un, la première chose, on cherche d'abord son entourage. On utilise que l'entourage pour détruire un grand. Parce que lui, on ne peut pas t'atteindre, on ne saura pas t'atteindre. Vous savez, chez les Asiatiques, lorsqu'un Asiatique constate que tu commences à les connaître, tu commences à découvrir ses faiblesses, il s'éloigne de toi. J'espère qu'un jour, tu te retournes contre lui. Mais nous, les Africains, lorsqu'on comprend que celui-ci commence à me connaître, il dit mon peuple est péri faute de connaissance. Frère, qui te dit que tout le monde qui vient à l'église vient pour la prière? Tu t'approches de et s'éloigne de toi. Tu ne connais pas les guerres. Tu ne vois pas les visages. Mais ce matin, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera caché. Pour réussir. Même si ta famille n'a pas donné les opportunités pour réussir. La Bible dit que le projet de Dieu sur toi n'est pas un projet de malheur. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton entourage. C'est ton entourage. Vous avez certaines personnes qui te considèrent aujourd'hui pour la nouvelle suite. Certaines personnes t'appellent maman avec beaucoup de respect pour nous dire fou. Bien-aimé, il dirait maître. À toi, ma maître. À qui irions-nous? Il n'y a pas de maman à maître sous. À salité. Il n'y a pas de maman à maman sous. À salité. Est-ce que je peux parler? Première catégorie. Ce sont les gens qui viennent pour nous accompagner jusqu'à notre destinée. Les disciples n'étaient pas 12. Ils étaient nombreux. Les disciples étaient les hommes se retiraient un après l'autre.